Bonsoir a tous e a toutes. Boa noite para todos os que estão por aqui. Chegou a hora da nossa aula de conversação de hoje com a aluna ativadora Letícia. Letícia, que já deve estar entrando por aqui. É, o Instagram hoje está demorando um pouco aqui para entregar as coisas. Salut, Letícia! Comment vas-tu? Letícia, por favor, pede, faça a solicitação aqui para entrar ao vivo aqui comigo, para que eu possa te chamar, só para ter certeza se é você mesmo. Eu vi a Letícia entrando, acredito que seja ela, mas como eu não tenho certeza absoluta, prefiro que ela me chame antes. Então é só você falar cucu, Elisa, ou escrever aqui, Letícia, Letibos. Oh, já ia chamar a pessoa errada, hein? Vamos lá. Letibos, quer dizer, vou ver como é que fala. C'est une autre Letícia. Une autre. C'est Letty Bocquezé. Salut Laetitia! Salut Elisa, bonsoir. Bonsoir Laetitia, comment vas-tu? Ih, travou. Laetitia tá aí? Tá me ouvindo? Deixa só a Alors, Laetitia voltar. Aí, voltou, voltou. Salut! Tá me salut. ouvindo bem? Oui? Tá D'accord. bien, tá bien. Então, só vou avisar aqui as pessoas como funciona. Para quem nunca assistiu uma aula de conversação com ativadores aqui, só saibam que eu fecho os comentários para a gente focar aqui na aula. O nosso objetivo é conversar en français com a Letícia, que é a ativadora, e no final eu abro para comentários de vocês. Então, aproveitem para prestar atenção, treinar o francês de vocês, ouvir as dicas e ver como fala uma ativadora. E onde vai, Letícia? Letícia, tu habites où? J'habite à Caxias do Sul, dans Oui. le Et Sud-Sud. il fait très froid maintenant déjà à Caxias do Sul, non? Oui, un petit peu, il fait froid. Je pense qu'il fait 15 degrés, 13 degrés maintenant. Aujourd'hui déjà? 15? Il fait froid alors. Il fait un petit peu de froid, Tu oui. préfères le froid ou la chaleur? Ah, j'aime bien tous les deux. Chacun Ah dans oui. ses saisons, dans ses saisons, j'aime bien les deux. Qu'est-ce que tu aimes en hiver et qu'est-ce que tu aimes en été? J'adore manger en hiver et boire du vin, mettre des vêtements chauds. C'est une saison chic, je pense. Oui. Je suis d'accord. Moi, par exemple, j'adore les foulards et j'en ai beaucoup, les écharpes et j'en ai beaucoup et elles sont très chaudes et j'adore ça. C'est l'époque que je peux m'habiller un peu mieux. Oui, bien sûr. Et Mais en c'est été, très... qu'est-ce que tu aimes? J'adore porter des vêtements légers, sortir de le lit sans froid ou Sans de me avoir froid. lever tranquille. Oui. Et C'est vrai que j'adore c'est sortir. horrible le matin en hiver, c'est horrible. Oui, cette semaine, il a fait 5, 6 degrés. Wow. Je pense que mardi ou mercredi. Et nous ne sommes pas habitués encore avec le froid. Alors, Oui. Mais quelle est la température minimum qu'il peut faire à Caxias do Sul? 0, moins 1, des D'accord. températures négatives. Donc, si cette semaine il a fait 5 degrés, c'est déjà très froid. D'accord. Et Caxias do Sul, c'est une ville de quelle taille? Nous avons 500 000 habitants. Nous sommes un petit plus de 500 000. Un peu plus de 5. Tu peux dire un peu plus, hein, Un ou un peu petit peu plus. plus, mais c'est plus simple de dire un peu plus de 500 000. OK, Un peu plus de d'accord. 500 000. Et qu'est-ce que tu fais, Laetitia? Quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu Ah, fais? je suis ophtalmologue. Oui. Alors, tu vas me gronder parce que je pense que j'ai mis mes lentilles ce matin. Je pense, non, je suis sûre. Et je ne les ai pas enlevées. Les portes encore. Est-ce que tu mets des médecins, des je sais pas comment ça s'appelle, Un collyre? un collyre? Est-ce que tu mets des Non. collyres, C'est important de des mettre lacs, un collyre. des
Lacrime. Larme. 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 Oui, les larmes, c'est quand on pleure, c'est ça que tu veux dire? Non, je n'en mets OK, rien. alors les larmes artificielles. Ah, c'est important de mettre des larmes C'est important de artificielles. mettre quand on passe beaucoup de temps dans l'ordinateur, devant les écrans, comme par exemple toi. OK. Oui. Et tu sais, avant, je ne mettais pas de lentilles. Ça fait environ 1 an que je mets. Et je mettais mes lunettes. Mais depuis que j'ai commencé à porter des lunettes à 17 ans, et depuis le début, j'aime bien les lunettes, mais je n'aime pas voir le monde encadré. Mais je n'arrivais pas à mettre de lentilles. Mais quand j'ai commencé à beaucoup filmer, ce n'est pas bien les lunettes parce que je ne peux pas filmer une bonne vidéo avec des lumières et les lunettes font le reflet. Donc je devais enlever les lunettes, mais je n'arrivais pas à lire, par exemple, si j'ai un téléprompteur. Donc si j'ai le texte, je n'arrive pas à lire. Donc je n'aime pas filmer avec des lunettes ou filmer sans lunettes. Alors j'ai commencé à porter des lentilles et c'est un vice. Tu commences à mettre des lentilles. Après, c'est tellement plus simple de pouvoir regarder où tu veux et de voir que j'ai. Tu portes des lunettes aussi ou non? Non, je ne porte pas et je n'ai jamais enseigné de mettre des Des lentilles. lentilles. Des lentilles, Lentilles. exactement. Lentilles. Lentilles, ok. Alors, une ophtalmologue qui ne porte pas de lunettes. En réalité, la majorité des ophtalmologues que je connais ne portent pas de lunettes. Oui. Je sais pas, Nina. C'est une coïncidence, je pense que. Oui. Oui. Mais c'est seulement une question de temps, parce que quand j'arrive à 40 ans, 40 plus, Tu penses que tu je portes le pas? porterai sûrement, les lunettes. Oui, ma famille, ma mère était très, très, très myope. Je pense qu'elle avait 5 degrés de myopie. Très jeune, elle avait beaucoup de myopie. Après, quand j'étais enfant, elle s'est fait opérer. Au début, quand les opérations ont commencé à se populariser un peu, elle s'est fait opérer de la myopie. Mais elle est astigmate aussi. Et mon père est myope et astigmate aussi. Donc, c'était impossible que je ne sois pas myope et astigmate. Je pense. Alors tu es myope Et astigmate, les et deux, myope et astigmate. astigmate. Et combien de degrés as-tu? Pas beaucoup, 2,20, enfin, raisonnable, 2,25 de chaque côté. J'ai la même chose des deux yeux. OK. 2,25. En Ça, c'est réalité, pas mal. 2,25, un œil et 2,5, l'autre œil, quelque chose comme ça. Et l'astigmatisme, c'est plus léger, c'est 1 d'astigmatisme, à peu près. C'est bien. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup, mais j'ai envie de me faire opérer un jour. Je pense que je vais me faire opérer. On verra. Il est possible, je pense que soit un bon choix. Mon petit ami a fait l'opération. Il avait 6 degrés de myopie. Demi. Et alors, il est très, très Content. bien. Et, Oui, pour les gens qui ont 6, 5, je pense que c'est la seule solution parce que. Je peux rester une journée sans lunettes. C'est possible pour moi encore. 2,25. Mais si je vais dans la rue, je ne reconnais pas les gens. Et tu sais, il y a une attitude qui change. Quand je n'ai pas mes lunettes et que je ne vois pas bien, je ne regarde pas l'horizon. Je regarde près de moi parce que je ne vois pas l'horizon. Exactement. Alors, tu sais que j'ai commencé à remarquer que quand je n'ai pas mes lentilles, par exemple, je me porte moins bien, je suis plus comme ça. Et que quand j'ai mes lentilles, j'ai tendance à regarder plus devant moi. Donc, ce type de choses pour moi change beaucoup. C'est intéressant. Oui. Et comment Mais tu as choisi cette carrière? mon papa est ophtalmologue. D'accord. Et j'essayais une fois de voir le métier, la profession, et j'aimais bien. Et j'ai décidé. Et j'adore mon travail. Super. Et un ophtalmologue, il fait médecine normalement, c'est ça? Normalement, et après 3 ans Trois ans d'ophtalmologie, d'ophtalmologie. et Waouh. après, je fais 12,
2 ans en plus de subspécialisation. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Oui, tu n'as pas besoin d'utiliser la lettre B, c'est sous-spécialisation. Sous-spécialisation, exactement. Et quelle est ta sous-spécialisation? Je fais de la chirurgie des degrés, des corrections de degrés, oui. Les cataractes et la transplantation des cornéas, comme ça. Ah, tu fais une oui, greffe de cornée. Greffe de cornée, exactement. Waouh! Et j'ai étudié à Sorocaba, à São Paulo, deux ans pour ça. Excellent, très intéressant, très 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 intéressant. Et pourquoi tu as décidé d'apprendre le français alors, Laetitia? Je pense que c'est une langue très très belle et j'adore la sonorité, j'adore aussi cuisiner. Et la France va très, très bien avec la cuisine, une culture de la cuisine très forte. Et quand on a commencé la quarantaine, quarantaine, je décidais d'étudier le français parce qu'on avait beaucoup de temps libre. Et je trouvais ton cours. Mais tu ne parlais pas du tout? J'essayais de parler une ou deux fois, mais je quittais. Et je ne parlais pas, je parlais très, 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 très peu. Très bien, très bien. Et ça alors, donc, quand tu as commencé la quarantaine, quand on a commencé la quarantaine, tu as décidé, bon, c'est le moment. Beaucoup de gens ont fait ça, ont décidé que c'est le moment, finalement. Et parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas de temps. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont encore maintenant, même si on ne sort pas, on ne voyage pas, etc., pensent qu'ils n'ont pas le temps. Parce que les activités de tous les jours ont changé. Est-ce que tes activités ont changé aussi? Oui, elles ont changé, principalement dans le début de la quarantaine. Maintenant, ils ont retourné plus ou moins normal, mais ils ont changé et j'ai décidé de prendre ce temps pour étudier un peu le français, un peu le français. Et je fais le cours, comme je peux dire, dans le... C'est moi, dans les 6 mois. En 6 mois. En six En six mois. mois. En 6 mois. Donc, tu as complété ton planning. Tu as fait un module par semaine à peu près. Tu as terminé vraiment. Waouh! Très bien, bravo. Et dis-moi une chose. Avant les 6 mois, tu pensais que tu allais parler comme ça après? Non. Non, je tu ne dirais me non. croyais pas. Je suis très, très confidente en parler le français et j'attends fortement de pouvoir l'opportunité de voyager en France pour pratiquer. Je voudrais faire un petit cours cette année. De cuisine? Non, non, de français en France pour pratiquer, Ah, parce que je pense que c'est important à pratiquer. C'est lui qui nous a appris d'où. ce que nous avons appris, ce que Ah, nous nous avons avons appris. appris exactement, mais c'était pas possible. Tu sais ce que je pense? Je pense que le plus intéressant pour toi ne serait pas de faire un cours de français en France, mais un cours de cuisine, par exemple. Si tu aimes tellement la cuisine, je ne sais pas si tu aimes ce point-là, mais j'imagine que oui. Oui, De bien faire sûr. un cours de cuisine en français. Parce que je sais qu'il y a des C'est une cours bonne d'anglais. idée. Mais je pense que c'est mieux parce que tu vas connaître des gens, des Français. Si tu vas faire un cours de français, tu vas connaître beaucoup d'étrangers. Ce qui est... Mais je pense que tu es vraiment préparée pour être dans la culture française. Alors, c'est bien que tu sois avec des Français, tu vois, ou avec des francophones. Donc, si tu vas pour faire un autre cours pendant les vacances, 1 ou 2 semaines de cours de cuisine, j'ai une cousine qui est décédée malheureusement il y a 2 ans. Mais elle était fanatique de cuisine et elle était très malade, elle avait un cancer.
Et elle a créé un Instagram qui s'appelle, l'Instagram existe encore parce que son ex-mari s'en occupe, qui s'appelle Alimento do Bem. Et elle est allée, une des dernières années qu'elle était vivante, elle est allée en France faire des cours de, prendre des cours de cuisine dans les grandes écoles, tu sais, le nôtre, quelle autre école? Les Cordon cordons bleus. bleu. Le cordon bleu. Donc, ils ont des cours de 1, 2, 3, 4 semaines. Et normalement, tu as des options, français ou anglais. Mais je te conseille de prendre en français. Parce que tu vas apprendre un vocabulaire que tu m'as dit que tu aimes faire la cuisine. Et en même temps, tu vas être en contact avec des gens qui vont vraiment parler français. C'est Je une pense excellente idée, c'est merci. que c'est mieux, oui, que de faire un cours de français, tu vois. Parce qu'un cours de français, tu vas Oui. rester un peu dans ta zone de confort, on va dire. Oh, c'est parfait. Qu'est-ce que Je chercherai. tu... Oui, tu vas beaucoup aimer. Qu'est-ce que tu fais comme cuisine? J'adore cuisiner toutes les choses, mais principalement les plats Salé ou salés, non, salé? salés, les plats salés. Salé. Oui, si tu dis sale, c'est que... Étouffé. Oui, voilà. Salé. Exactement. Donc, principalement les plats salés. Et est-ce que tu as une spécialité de Laetitia? Tu Je fais sais quelque pas. chose que tu fais très bien. Je sais pas, je. Les poissons, le salmon, le salmon, Le saumon. J'ai le mangé du saumon. saumon. J'ai fait du saumon aujourd'hui. J'en ai mangé. Du saumon avec du diou, tu sais? Dieu, ce. C'est une petite herbe Ok, que mange je me souvent avec. rappelle. Dieu. De quelle manière tu prépares le saumon? Avec des épiceries. Oui, des épices, tu peux Des dire des épices, épices. je fais un crosting d'épices et je mettrai sous le la frigidaire Dans le poêle, le dans le poêle. poêle, ok, dans le poêle, dans les feux très hauts pour faire la crosting, La croûte, en français, ça s'appelle une croûte. la Donc, tu croûte. prépares ça et alors, le feu très haut et au milieu, le saumon, il est presque cru ou non? Un petit peu cru. J'aime bien comme Délicieux. ça. Quel type d'épices tu mets? Je sais que c'est un vocabulaire difficile, mais je Ah. t'exige. Alors, de coentro, De la coriandre. de la coriandre, de la poivre, Du poivre, du poivre, du sel, du. du sésame, tu mets du sésame, gélé, sésame. Du sésame noir, oui, il est possible du sésame noir. Et rosmarine, Oui. du rosmarine sèche. Du romarin en français. Romarin, Du ok. romarin Romarin, sec. de Oui, du romarin romarin sec. sec. Et, ah, aussi de. Je ne me souviens pas, alio. De l'ail. De l'ail. De l'ail sec aussi et j'ai les je le mélange comme ça Oui. et je mets sur le processateur Dans le mixeur, je mets dans le dans le mixeur. mixeur pour créer une comme une farine pour remettre sous et sous. Au-dessus et au-dessous, c'est ça? Au-dessus et au-dessous du saumon. Du saumon. De Comment ça mon colle? pièce Mais pour seulement. ça colle? Ça colle. Mais ça colle par la graisse du propre saumon. Exactement. Parce qu'il est humide. Oui. Ah, je vais essayer de faire ça. J'ai bien aimé cette idée. Et qu'est-ce que tu fais comme accompagnement? Le crème de patates, le purée, Une purée de patates, de pommes de une terre purée ou de une purée patates ou une purée de. Je ne sais pas si existe ces mots en français parce que je pense que c'est une parole
brésilienne, mais mandioquinha. Oui, ça n'existe pas. Ouais. D'accord. Purée de mandioquine. Mandioquina. Mandioquina, De petits manioc. ok. Manioc, Exactement. ça existe, mais mandioquine, peut-être que dans les pays africains, ça peut exister et peut-être que je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu ça à vendre en France. Manioc, c'est Mandioc. à Mandioca. Oui, manioc. Donc, au Manioc. Brésil, on dit mandioquinha, mais c'est de la même famille, mais ce n'est pas la même chose exactement. Donc, je sais pas s'il doit y avoir un nom spécifique dans les pays africains, mais je ne sais pas quel est le nom. Et je n'ai jamais vu ça en France. Donc, ils ne vont pas savoir ce que c'est non plus. Et j'adore cuisiner avec la musique. Et je mets souvent les musiques françaises, les chansons pour écouter et cuisiner. Je Excellent. m'amuse cuisiner, seule, je m'amuse Oui. cuisiner. Et tu habites seule? J'habite seule maintenant. D'accord. Et alors, tu fais la cuisine que pour toi. Tu es une courageuse parce que quand je suis toute seule, je fais. En ce moment, comme je suis au régime, je fais tous les jours, tout le temps, des salades composées, qui est quelque chose de très français. C'est que tu mets de la salade. Tu mets des haricots verts, du thon, des tomates, du fromage. Tu mélanges tout et ça s'appelle une salade composée. Donc en ce moment, c'est mon alimentation est composée de salades composées. Mais quand je suis seule, normalement, je suis très paresseuse pour faire la cuisine. Toi, non? Non, je suis courageuse pour faire la cuisine toute seule, mais j'adore cuisiner pour mon petit ami. Oui. Il m'aide parfois. On cuisine ensemble aussi. Ah, c'est bien. Et il est médecin aussi? Non, il est comptable. Comptable. OK. Et Comptable. est-ce qu'il parle le français? Non, il ne parle pas le français. OK. Et j'ai oublié de te demander si tu étais déjà allé en France. Oui, je suis déjà allée 3 fois, je pense. Mais je ne parlais pas le français. À l'époque, À l'époque. À je... l'époque. Et Laetitia, qu'est-ce que tu fais maintenant pour continuer? Parce que tu es du groupe 15, c'est ça? Comment je n'ai pas compris. Tu es du groupe 15, tu es de mon groupe 15, 14. 3, 13. 13, 13. ok. Et qu'est-ce que tu fais depuis le groupe 13? Qu'est-ce que tu fais pour maintenir le français vivant? Je continuais à avoir les oreilles que Les cours bonus. j'étudiais, à regarder les vidéos, à chercher des choses sur Internet aussi. Mais je prends toujours, tous les jours, au moins une demi-heure pour étudier le français. Et je regarde les vidéos des séries sur Netflix aussi. Je lis des nouvelles Ah oui? sur Internet. Sur Moi, Internet. sur Internet, mais j'ai tous les jours un petit peu le français. C'est excellent. Et quelle est la série que tu recommandes à nos collègues qui nous regardent aujourd'hui? Ah, j'adore 10%. J'étais sûre, je pensais que tu allais dire que tu aimais 10%. Tu as une tête J'adore de qui aime. 10%. C'est très bien, très bien. Et je pense qu'il va y avoir une nouvelle saison. Maintenant, ils ont filmé une nouvelle saison en pleine pandémie. La cinquième? La cinquième, La je pense. cinquième. Oh, je ne savais pas. C'est Je pense, je pense. une grande nouvelle. Excellent, Une excellent. spoiler. Oui, un Ok. spoiler. Un spoiler. Et qu'est-ce que tu souhaites faire quand la situation de la pandémie va s'améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton quotidien que tu ne fais plus et que tu aimerais faire? Une fête Une avec fête. mes amis, une fête avec mes amis pour les embrasser, pour les trouver et aller à un concert.
De quel type de musique? J'adore, par exemple, Carla Bruni, que j'adore. Mais je ne sais pas. Tu sais, les concerts de Ivete Sangalo, que Tu vas tout le monde est ensemble, qui pour chante rigoler, que les gens ensemble. sont très collés. J'aimerais faire ça. D'accord, donc tu veux une mouvouka. Mouvouka, ça Un n'existe pas en mouvouka, français. exactement. Une agglomération. Mais sûrement, je voudrais voyager. C'est ma passion. Et il y a 2 ans, presque 2 ans, que je ne voyage pas Oui, moi, il y a presque 3 ans que je ne voyage pas parce que je suis allée en France en juillet 2018. Et quand je suis revenue, j'ai découvert que j'étais enceinte de Théo. Alors après, mes prochaines vacances ont été en janvier, mais j'étais déjà très enceinte. Et j'avais un gros ventre déjà, donc j'ai voyagé et je travaillais déjà beaucoup dans ce projet avec Elisa. Je pensais à l'époque, je vais courir et travailler beaucoup avant que le bébé naisse. Je ne savais pas que j'allais continuer de travailler beaucoup après la naissance du bébé. Mais alors, je n'ai pas beaucoup voyagé. Je n'ai presque pas pris de vacances à cette époque. Et après, avec Théo, on devait aller en France l'année dernière, mais on n'a pas pu à cause de la pandémie. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra y aller. Alors, je Malheureusement. pense que tu souhaites, tu as très envie de voyager avec Théo en France, de lui Oui, porter parce en que je veux France. que ma famille le rencontre. Ma mère et mon frère l'ont connu, mais je voulais le présenter à mes cousins, mes cousines, mes oncles. Je voulais le voir aussi en France, comment il va réagir si tout le monde lui parle en français. Je pense que pour lui, ça va être la même chose. Il ne va même pas remarquer que j'en parle. Mais je ne sais pas, j'ai très envie de l'emmener en France et de. Je sais pas, les parcs pour enfants, les jeux pour enfants. Et puis, ça dépend aussi de la saison, comme on a commencé notre cours en parlant de saison. Si c'est en hiver, les marchés de Noël, les vitrines de Noël des grandes galeries comme Galerie Lafayette et le printemps, ils font des vitrines de Noël très, très belles, très magiques, avec des jouets qui bougent. Les enfants adorent, donc je l'imagine regarder ça. Et si Les c'est en lumières. été. Oui, les lumières, exactement, la neige, etc. Et si c'est en été, j'adore la France en été, la Provence, qui est la région de ma famille, la plage, la chaleur, l'odeur de la France en été, la journée qui termine à 10, 11 heures du soir. Donc, j'adore ça. Et j'imagine Théo dans les rues, dans les parcs, etc. Donc, j'espère que bientôt, qui sait, peut-être, je pense que ça ne sera pas bientôt. Je pense que dans le meilleur des cas, ça sera l'année prochaine, en 2022. Mais ça. Malheureusement, je pense que oui, je pense comme toi. Oui, malheureusement. Mais bon, c'est ce qui nous reste à vivre, mais il y a d'autres choses à découvrir et à vivre. Et voilà, je voulais te féliciter. Vou até abrir os comentários aqui, galera. Que tal aqui o francês da Letícia? Tenho certeza que eu vou ver um monte de coração subir aqui, um monte de comentário maravilhoso, porque eu tô realmente muito, muito. Parece que eu falo isso para todos os alunos, mas cada aluno me surpreende mais e mais e mais e mais. Me surpreende no bom sentido, né? Porque é óbvio que eu sei os resultados dos alunos, mas na hora que eu chamo alguém para conversar e alguém me fala, ah, eu falava muito pouco de francês, quase nada, tentei aprender, né? Que nem você, duas vezes, mas não conseguia. E de repente está falando francês assim, eu fico realmente muito, muito orgulhosa. Bravo, porque é mérito 100% seu. Aqui a gente só dá o método e vocês aqui caminham. Então, Letícia. E você disse que terminou em 6 meses, que fez tudo certinho. Com certeza o mérito é seu. Eu tenho quase Merci. nada, na verdade, para te corrigir, mais para te encorajar a continuar assim. As coisas que eu tinha para te corrigir, eu até fui falando na hora, porque são detalhes, sabe? E você está expressando de fato, você em algum momento você falou: Olá, top minha namorada, Matheus, ela é top mesmo, hein? Arrasou na escolha da namorada.
Eu até me perdi aqui do que eu tava falando. Não, que uma hora você falou que você se sente muito confortável falando francês, né? Eu me sinto agora, incrivelmente. Eu não sei dizer quando isso aconteceu, sabe? É muito. Não tem uma chave que virou, assim. É muito engraçado. Mas é uma sensação muito boa. Porque é como eu falo sempre assim, exemplos com exercício físico, porque no fundo é que nem exercício físico. Você não sabe, ó, tem uma história assim, eu morria de medo de fazer parada de mão, sabe? Colocar a mão no chão e jogar o pé pro alto. Morria de medo. E aí um dia eu resolvi que eu ia ficar tentando até um dia sair. E aí eu ficava tentando tanto, 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 juro. Vocês vão achar que eu sou louca, né? De ficar tentando, que eu fazia crossfit. Então eu ia do crossfit no final do treino. Depois de estar morta de cansaço, eu colocava a mão no chão e ficava chutando. E nunca chegava à parede, nunca chegava à parede, nunca chegava à parede. E um dia, chegou à parede. E aí, de repente, ficou fácil. E, tipo, eu ficava pensando, como é que eu não conseguia fazer isso? Não consigo entender como é que eu não conseguia. E é isso, né? Só consegue quem fica tentando. É muito, muito, muito raro alguém que põe a mão e a primeira vez chuta e já chegou e pronto. E as pessoas acham que com francês é assim, ah, pronto, me inscrevi num curso de francês em um mês, 2 meses. Acabei, já sei. E não é assim. Então, é como você está falando, só que de repente, sem a gente nem perceber, porque você se apaixona pelo processo, imagino que você tenha se apaixonado pelo processo, a gente nem percebe e de repente já está falando, né? É engraçado que assim, se você perguntar qual que é o passado do não sei o que, eu não sei muito bem a definição de cada tempo verbal, mas a gente acaba usando e sabe, sem se dar conta de que tá usando o futuro, o futuro próximo, o futuro, né? Assim, eu nem sei dizer, na verdade, mas a gente vai usando e vai aprendendo. É bem, bem, bem legal, assim. Letícia, que nem em português, se alguém chegar para mim, que sou professora de idioma, e falar assim, Elisa, o verbo pintar no pretérito perfeito, terceira pessoa do não sei o que lá, eu não vou nem saber, eu vou ter que pensar muito tempo antes de achar qual que é o verbo, porque eu vou ter que lembrar qual que é o pretérito perfeito, a terceira pessoa do singular. Aí é uma matemática aqui na minha cabeça que até eu chegar lá, Já eu. é, Enfim. E aqui o exatamente. foco é na comunicação, por isso que você está de fato se sentindo à vontade no idioma, e dá para perceber, você está realmente tranquila. Por isso, eu insisto no que eu te falei: não vá fazer um curso de francês. Não vai ser ruim você fazer um curso de francês, mas é que você pode se arriscar mais, sabe? E ter uma experiência mais radical lá, mais. Como é que fala? Tem uma palavra que eu acho que é autóctona, autóctona, uma coisa assim. Autóctono, é isso, né? Eu acho que é, tipo, que significa assim, do lugar mesmo. Eu não tô me lembrando como que é essa palavra. E eu acredito que é isso, você tem total capacidade de ir lá, tipo, eu não sei quanto tempo você vai ter disponível. Você é médica, trabalha pra caramba, provavelmente, né? Imagino. Então, assim, Graças a às Deus. vezes é difícil a gente sair, sei lá, você não vai passar 6 meses, você não vai fazer um intercâmbio, Não, não, nem a ideia. mas você passar um mês, talvez seja possível, ou 3 semanas, mas, tipo, radicalmente vivendo como uma francesa, sabe? Então, Nossa, esse é um sonho. isso acho que vai ser uma coisa muito legal para você. E aí, seu namorado Matheus vai ter que te acompanhar. Então, não sei o Ah, que que ele vai fazer nesse ele vai, tempo. sim. Mas assim, e outra coisa importante é a gente achar o tempo. Eu achei um tempo e falei, esse é o meu tempo do francês diário. E Como que quem você me conhece conhece, isso? eu Porque acordo. É, muita não, eu gente acordo 15 para tem. 6 da manhã e eu estudo francês, porque é o horário que funciona bem, sabe? Mas é o meu francês de manhã cedinho. E Eu aí te minha chamaria rotina de virou. louca, porque eu odeio acordar cedo, se não tivesse um marido que faz isso com inglês. Ele estuda todo dia inglês, ele tá melhorando pra caramba, inclusive, e ele faz isso, ele acorda antes de eu acordar, do Theo acordar, para estudar inglês no tempo dele, no momento dele. E isso faz diferença. Oh, o Matheus falou que ele acompanha, mas eu que falo. Ah, Então. bom, você vai ter que ficar intérprete, mas aí o Matheus vai perder muito. Daqui a pouco o Matheus ativa o francês dele também e resolve esse problema. Tô vendo que até a sua mãe vai querer ir junto, ó lá. Minha mãe Wanda tá ali, também ó. vai Levantou uma querer ir. mãozinha, minha mãe, Wanda ali, ó. Ela adora, ela já foi uma vez, ela adora a Provence, la région de la Provence. Ela adora. Talvez vocês tenham ido na cidade do meu avô, que chama Lourmarin, que não é uma cidade, é um vilarejo minúsculo, desse tamanhinho, mas é um dos vilarejos mais turísticos da Provence. Aí eu vou Porque ele é perguntar para ela. bem. Depois vocês olham na internet, chama Lourmarin, tudo junto. Lourmarin. É, vou escrever aqui nos comentários para vocês, para quem quiser Tá. pesquisar.
É um vilarejo assim, sei lá quantos habitantes deve ter. Meu avô nem morava no vilarejo, ele morava perto do vilarejo. E assim, é bem perto dos campos de lavanda mesmo. E é muito, muito lindo. Quem sabe? De perto, de perto, Letícia. E Letícia, você está pronta para próximos passos, né? Seja essa viagem que eu te sugeri, seja você também usar esse tempo que você se organizou aí cedinho, né? Priorizar aquilo que é seu, né? Às vezes a gente também, pô, médica, época de Covid mesmo, que você não trabalha diretamente linha de frente, etc. Mas a gente sabe que todo mundo sofreu muito e você ter que ir trabalhar, etc. Né, fora de casa, é isso que eu quis dizer. Pode ter sido um momento de estresse também. E aí o que acontece? Tem horas que a gente pode só viver o estresse, ou horas que a gente olha e fala, cara, eu vou abrir aqui um espaço, porque existe algum espaço que eu possa abrir para o meu sonho. E você tá no caminho certo aí para continuar. Você já conquistou, não deixe de usar para não ir se enferrujando o seu francês. Você nunca vai perder o francês, porque é que nem andar de bicicleta, É, mas mas precisa manter ele vivo, com né? certeza, é. E eu acredito, ó, tem aqui colegas que estão aqui, eu vi a Carol Poço, por exemplo, que é do Perfeccionismo, e eu acredito que seja um programa muito interessante para você, para dar esse passo também. Vale a pena, se você tiver vontade, perguntar para a gente, me perguntar, perguntar para a gente mais sobre ele, que ele vai ser muito massa para você também. Com certeza. E bravo, parabéns Merci, novamente. je te remercie parce que c'était toi qui m'as incentivé, comme Oui, ça, qui m'a. d'étudier le français une autre fois, Super. encore. Ah, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Você tinha tentado duas vezes. Aí passava pela sua cabeça que você não ia conseguir aprender francês, porque isso acontece com algumas pessoas. Ou você sempre teve a percepção de que, ah, acho que eu estava aprendendo do jeito errado. Eu acho que mais isso. Eu acho que mais isso que eu tava aprendendo, porque eu sempre quis, assim, eu pensei, ah, eu nunca vou conseguir, eu acho que não. Eu com alemão, eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu já tentei, mas o alemão eu acho que eu nunca vou conseguir, porque eu não gosto, não admiro, eu não. Mas o francês eu admiro, então eu nunca Você foi pensei, eu não tentar vou aprender conseguir. alemão, se você não gosta, não admira. A primeira vez que eu fui para Alemanha, eu falei, eu quero morar na Alemanha. Eu tinha 15 anos e eu queria estudar alemão, mas é impossível. É impossível. E depois que eu comecei a, enfim, viajar, conhecer a França, gostar de cozinhar, eu gosto de, né? Então, e a gente, enfim, o francês é lindo, né? A sonoridade, o país. Então, eu acho que isso faz a gente não desistir, porque a gente admira a língua, né? Eu acho que esse foi meu maior motivador de não desistir, de pensar que eu não ia conseguir. Por isso até que eu falei, não, vou tentar de novo. E você sabe, E Letícia, foi. isso também é o que faz a diferença. Quando as pessoas não se aproximam de nenhuma forma da cultura do lugar, você gosta de cozinhar, você gosta de viajar, você já foi para França, você gosta de ouvir música, são coisas que você foi falando na conversa. Essas coisas, elas fazem com que o aprendizado fique mais fácil, né? E principalmente se você aprende a usar isso dentro do seu cotidiano para estar em contato com o francês. Mas as pessoas que só aprendem por verbos, regras, que provavelmente é como você começou aprendendo em outras situações, desestimulam muito rápido, porque aí o peso da vida, isso só se soma a cobranças, né? Vira um formato de cobrança. Ah, eu não fiz meu francês. Ah, eu não sei, não fiz não sei o que lá. E não tem essa leveza que uma viagem traz para a gente, que um idioma pode trazer, se aprendido de uma forma mais aberta, mais ampla, mais É, com campo mais de assim, visão. né, ligado, assim, é uma coisa junta, né, não é separado. Exatamente, exatamente. É quando as pessoas separam que é o problema. E às vezes as pessoas chegam e falam: estudei 4 anos de francês, mas não consigo falar. Aí eu já sei, poxa, a pessoa ficou aprendendo um monte de verbo e palavra, tenho certeza. Quando já chega assim. E por isso, enfim, se alguém aqui que está assistindo gostaria de falar como a Letícia, porque eu tenho certeza que vai ter gente que quer falar com a Letícia aqui, não deixem de participar do La Voix, a sua voz francesa, que começa no dia 10, é um evento 100% online, gratuito, que eu organizei, estou organizando. Então não deixem, ou se vocês quiserem informações, o link está na minha bio aqui no Instagram, ou é só me mandar mensagens. Bravo, Letícia! Et Merci, j'espère merci rencontrer beaucoup. bientôt de nouveau. Je suis très heureuse. C'est un grand plaisir de parler avec toi. Merci. C'est moi qui suis enchantée. Merci beaucoup. Merci, Bisous. bonsoir. Bonsoir à Bonne tous. soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Que orgulho, minha gente. Que orgulho, que orgulho. Merci beaucoup a todos vocês. Um gros bisou. A gente se vê amanhã, 10h20 da manhã. Tchau, tchau.